Bonjour à tous, de retour dans Destiny 2. Ça y est, une nouvelle saison commence. Et quand on lance le jeu, voilà le message qui apparaît. Début de la saison, une nouvelle saison a commencé. Gagner de l'XP de clan en participant à toutes les activités de clan et en aidant à débloquer les privilèges de clan. Atteignez le niveau maximum de clan à la fin de la saison pour débloquer le mât de bannière de clan de cette saison. Également, extension numéro 1, la malédiction d'Osiris est disponible. Donc début de la saison 2, la malédiction d'Osiris est maintenant disponible. Cette extension contient une nouvelle campagne qui se déroule sur Mercure, un niveau de puissance augmenté, de nouvelles armes, armures à gagner, un nouvel entre de raid qui vous mettra au défi et plus encore. La saison 2 introduit un nouvel engramme brillant, de nouveaux privilèges de clan, de nouvelles récompenses pour le retour du jugement des neufs, de la bannière de fer et des joutes des factions et de nouveaux événements à venir. Alors, quand on ouvre la carte céleste, on peut voir la malédiction d'Osiris disponible. Explorer l'infini et découvrez les secrets de l'un des plus grands arcanistes qui ait jamais servi la lumière. Nanana, première extension. Acheté, je l'ai déjà. Le portail Mercure, l'évêque s'agite sur Mercure. Osiris, le légendaire exilé, est impliqué. Rendez-vous au phare pour mener l'enquête. Lorsque la Légion Rouge nous a attaqués, nous avons failli tout perdre. Il a fallu un miracle pour nous sauver. Le réveil du voyageur. Ceci est notre nouveau départ. Les cartes sont vierges. Les règles ont disparu. Tout ce que l'on sait, c'est que nous devons surpasser ce que nous étions. Ce petit coin de cosmos est le seul lieu qui nous appartient à jamais. Et l'univers nous observe d'un œil envieux. Nous avons prouvé pouvoir combattre des menaces venant d'autres étoiles. Mais maintenant, certaines choses se réveillent sous nos pieds, provoquées par la lumière du voyageur. Notre guerre ne fait que commencer. Des pierres sinistres, des robots tueurs, des gens en danger de mort. Sérieux, vous vous lassez jamais? La fatigue nous éloigne de notre objectif. Et se plaindre aussi. Oh, j'ai même pas commencé à me plaindre. Aïe! Oh, maintenant je peux me plaindre. Concentrez-vous, Sagira. Vers les étoiles, mon grand. La facelle! Besoin d'aide? Encore? Je m'en occupe, merci. Eh bien? Osiris? Qu'avez-vous vu? Doucement! Attendez. Je pensais que... m'empêcher de constater que même si on peut explorer des tonnes de réalités, vous choisissez toujours celle où on se fait tirer dessus. Nous ne pouvons pas rester là. Si les Vex réussissent, c'est la fin de toute chose. Sagira, ils détectent votre lumière.
Vous devez partir. Non, je vous laisserai pas. Sans moi, vous ne pourrez jamais revenir. Si je n'arrête pas les Vex, il n'y aura aucun endroit où revenir. C'est pour nous deux que je fais ça. N'y pensez même pas. On dirait. Sympa comme introduction. Gardien. Merci d'être venu. Il y a du nouveau sur Mercure. Des rapports étranges provenant des fanatiques qui s'accrochent à ce qu'il reste de la planète. D'ordinaire, j'ignore leur théorie du complot, mais un de mes clandestins m'a apporté... Malenpoint. Un spectre défunt ? Elle n'est pas morte. Elle se nomme Sagira. Je la connais depuis bien longtemps. Ainsi que son gardien, Osiris. Le véritable Osiris ? Le plus puissant de tous les gardiens ? Le héros des six fronts ? Le Zavala avant l'heure ? Zavala n'aimerait pas que vous l'appeliez comme ça. La plupart des gardiens n'osent prononcer le nom d'Osiris. C'est le seul commandant de l'avant-garde à avoir été exilé de la cité. Et c'est lui qui m'a appris ce que cela signifie d'être un arcaniste. Nous avons trouvé Sagira sur Mercure, et au même moment, l'activité Vex s'est fortement intensifiée. Et vous pensez qu'Osiris pourrait être derrière tout ça ? Je dois savoir ce qui s'est passé. Même si l'avant-garde préférerait l'oublier. Quand j'ai perdu ma lumière, il ne me restait plus rien. Je me sentais... si vide. Puis vous êtes arrivé sur Io, et vous m'avez aidé à reprendre mes esprits. J'ai besoin de votre amitié à nouveau, gardien. Allez sur Mercure. Prenez Sagira avec vous. Les adeptes d'Osiris, pour ce qu'il en reste, devraient savoir ce que sa présence signifie. Et que cela reste entre nous pour le moment. Je préférerais ne pas avoir à vous jeter du haut de ce mur. Ah, carrément. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas ? Je plaisante. Bien entendu. Le voyageur a transformé Mercure en planète remplie de jardins. C'était un paradis, jusqu'à ce que les Vex débarquent. Les Vex ont remplacé le noyau de la planète avec leur propre machine. On appelle ça la forêt infinie. C'est un labyrinthe en constante expansion, formé de multiples réalités. Deux chemins ne se ressemblent jamais, et personne n'a jamais réussi à franchir. C'était l'obsession d'Osiris. Bienvenue sur Mercure, Gardia. Les signes m'avaient prévenu de votre arrivée. Quelle coïncidence. Nous avons également suivi des signes. Et quand je dis signes, je parle de faits concrets. Ça aussi, c'est un signe. Je m'appelle Frère Vance, et je fais partie des adeptes d'Osiris. Je suis gardien du phare et oracle des prophéties oubliées. L'objectif,
trouver un portail vers la forêt infinie. Il y a un portail Vex près de l'endroit où vous êtes. Osiris l'a étudié pendant des années. Il était convaincu que c'était la porte menant à la forêt infinie. Si nous voulons avoir une chance de trouver Osiris, nous devons ouvrir cette porte. Ikorare, la plus brillante des élèves d'Osiris. Frère Vance, le plus grand fan d'Osiris. Encore une fois, ils ont réussi à créer des décors somptueux. Hein. Ah, premier ennemi local. Fait même petit check de mon personnage, sachant qu'il préconise un niveau 200 hein, ici. Allez. Sur ceux-là, vu qu'ils sont une espèce de protection des fois. Un homme qui remet tout en question. Je suis surprise que votre foi vous serve à quoi que ce soit. Ouais, je ralentis un petit peu la chute. Frappe à ma porte. Osiris n'est pas revenu. La foi est la seule chose qui me reste. Le portail vers la forêt infinie. Oh. Le lieu dont personne n'est jamais revenu. Pas même Osiris. N'est pas de l'autre côté. Un petit peu plus du sérieux là. Ah, il aime pas hein, quand on l'a dans
dans l'axe. Le voilà. Bien. Connerie. Quand vous voulez. Nous ne pouvons pas traverser. Peut-être que si la spectre d'Osiris était éveillée, elle pourrait nous aider. Osiris soit loué. Vous avez sa spectre, ça ira. S'il vous plaît, je vous en prie, amenez-la moi. C'est vrai qu'on va avoir des amis qui arrivent. Spawner à l'infini. T'en vas pas du coup. Ah putain. Voilà. On va régler son compte. Ce ne sont pas des Vex normaux. Pas venu sur Mercure pour affronter des bestioles habituelles. Hein. Je me rends pas compte, chaque fois que ma vie baisse quand même un sacré morceau. J'entends une bonne série. Bon, j'arrive à avoir son cœur. Fort. Nice.
main sur lui. Là, dommage. Détruisez le module. Ok. Les Vex d'autres lignes temporelles convergent sur Mercure. Ça n'est pas bon du tout. C'est jamais bon. Merci. Je ne sais pas ce que je serais devenu si Osiris ne vous avait pas menacé. En retour, les adeptes d'Osiris vous aideront à réanimer sa spectre. Nous avons un temple caché sur Terre. Emmenez Sagira jusqu'à ses coordonnées. Je vais prévenir les adeptes que vous arrivez. Maintenant que le phare est sécurisé, nous pouvons nous préparer au retour d'Osiris. Ces prophéties sont en train de se réaliser. Je vais enfin rencontrer Osiris. Petit engramme légendaire. Mission terminée. Eh ben sympathique cette première mission. Alors, zone d'atterrissage sur Mercure débloquée, nouvelle activité disponible. La zone d'atterrissage sur Mercure est désormais disponible depuis la carte céleste. Forcément, si on fait ça, voilà où on va arriver. Notre ami Ferenc.